Okay, bonsoir Jean-Louis, qui n'est pas là, mais on voit simplement son prénom. Bonsoir Bernard, bonsoir Gérard, qui n'est pas un habitué Gérard apparemment. Gérard est nouveau, visiblement, dans les Agora. Bah, bienvenue. Bonsoir Alain et bonsoir Gaëtan. Donc Gaëtan, j'espère que tu vas réussir à mettre ta webcam en route. Nous avions réussi la fois dernière. Et voilà, super. Bon, écoutez, bienvenue à cette essence d'Agora. J'ai pas mal de choses à vous raconter, comme d'habitude. On va essayer de faire moins long que la fois dernière, puisque la fois dernière, ça devait durer 1 heure, ça a duré au moins 2 heures et demie. Donc ce soir, on va faire, oui, dit Bernard, je confirme. Donc on va essayer de faire beaucoup plus court. Voilà. De toute façon, j'ai eu beaucoup moins de questions déjà, donc ça va avancer assez rapidement. Donc juste en introduction, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Faites oui avec la tête si vous voyez quelque chose. Non? Oui? Vous voyez quelque chose là ou pas? Tac. Ah, alors, apparemment, ah, voilà, Jean-Louis. Ah, bah, Jean-Louis numéro 2 arrive. Bonsoir, Jean-Louis numéro 2. Deuxième du nom. Alors, attendez, je repartage l'écran. Attendez, peut-être ce que je vais faire avant. Je vais fermer ça. Tac. Non, merci. Normalement, ça devrait... Je vais fermer quelques fenêtres parce que, voilà, comme j'étais en train de vous jouer un morceau, j'ai ouvert des logiciels en plus et j'aimerais pas que ça rame de trop. Tac, je quitte Skype. Voilà. Donc, nous y sommes. Alors, partage d'écran. Vous devriez voir quelque chose apparaître normalement. C'est bon? Ok, super. Je préfère vérifier à chaque fois. Ok, donc voilà. Donc c'est l'Agora numéro 23. Nous sommes le mardi, pardon, 21 février. Il est 20h30. Ok, donc au programme ce soir, donc il y a pas mal de choses. Il y a 9 points. Donc, réponse à vos questions envoyées par email, je devrais dire à votre question, parce qu'il n'y a qu'une seule question, en fait, à part les questions urgentes et les questions des ateliers, il y a eu une seule question d'ordre général. Ensuite, les réponses à vos questions directes. Donc, alors, je dis ça pour ceux qui ne sont pas habitués encore à l'Agora. Si vous avez des questions, je dis ça par exemple pour Gérard. Alors, Gérard, j'ai tendance à tutoyer tout le monde, hein, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, en fait, vous avez une fenêtre de discussion. Et donc, tout au long de l'Agora, vous n'hésitez pas à poser votre question. Et puis, bah, soit je vous réponds directement, soit si je vois que pour moi, la question a besoin de complément, bah, je vous donne la parole. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi hein, pendant toute la séance, c'est lever le doigt comme à l'école. Et comme ça, je vous donne la parole voilà, si vous voulez intervenir en direct. Hein, c'est le but de cette plateforme, c'est qu'on peut intervenir en direct. Donc, Alain, si tu veux bien régler ta webcam, parce que là, on voit tes cheveux, c'est bien, mais on ne sait pas qui tu es. Voilà, essaie de bien régler ta webcam. Voilà. On va vaguement. Ah, voilà, ça y est. Ah, mais oui, c'est bien lui. OK. Donc, les réponses à vos questions envoyées par email, les réponses aux questions directes. L'Agora, nouvelle formule. Donc, on va essayer de simplifier un petit peu les choses pour éviter justement les Agora qui durent 2 heures et demie. Puis, bon, il y a d'autres choses auxquelles on a pensé. Il faut que j'ai pensé ce matin. Avec Alain, d'ailleurs, on a parlé un peu ensemble. Et puis, voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer un petit peu ça. Il y a des petites décisions que j'ai prises aujourd'hui. La vidéo des samedis midi, donc, il y a 2 points. Un point sur l'apprentissage des morceaux de jazz et l'apprentissage sur les morceaux dans d'autres styles. Donc, ça valait un peu à l'encontre de ce que j'avais annoncé il y a quelques semaines. Mais encore une fois, voilà, j'écoute ce que. Enfin, je vous écoute et puis j'écoute vos interrogations, vos demandes, vos préférences et bah, je m'adapte en fait en fonction de ce que vous préférez. Donc, on va en parler aussi. Donc, il y a quelques petits changements. Apprenez à utiliser les outils informatiques. J'en ai déjà parlé, mais comme je vous interroge jusqu'à la fin du mois, je vous en touche 2 mots encore tout à l'heure. La semaine Canal 16 qui va être maintenant mensuelle. Le coup de cœur du soir, Versenhagen, qui est un artiste allemand. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi un coup de cœur avec lui et la programmation de l'Agora numéro 24. Okay.
Alors, ce que je fais maintenant depuis quelques semaines, c'est que j'enregistre par morceau, ce qui fait que comme il y a 9 points, donc il y a déjà cette présentation-là, plus ces 9 points, donc vous allez avoir 10 vidéos sur la chaîne YouTube. Ça fait beaucoup, mais l'idée justement, c'est de tout découper pour pas que vous ayez une heure ou plus à regarder pour aller directement à la formation. Okay? Donc, voilà.